Mesdames et messieurs, voici vos animatrices de la soirée, Alexandra Bolduc, Charlotte Larouche et Eliane McKitchen! Eh merde! J'ai oublié d'enlever l'étiquette de ma robe. Ça pique, maudit! Comment l'enlever sans que ça paraisse? Il y a un gars dans la quatrième rangée qui est vraiment mal habillé. Moi, je me dis, au lieu de sortir de même, rachez-vous. Ah non, c'est mon frère. Lui, puis ça lubie de porter des chemises hawaïennes. Motadine, j'ai oublié d'enregistrer District 31. J'espère que mes amis ne diront pas de punch. Ah, oh, puis je vais être perdue à la prochaine émission. Colin! Oups! Je pense que j'ai laissé un rond de ma cuisinière allumé. Qu'est-ce que je fais? Je peux revérifier le tout à l'entracte? Ou j'appelle les pompiers tantôt des coulisses? Oh my god! Je pensais pas que c'était gros de même, la salle. Il y a de la place pour toute la population de mon petit coin de pays. Thetford Mines. Et même plus. En fait, je viens de Saint-Méthode, mais pour tout le monde ici, c'est clair que c'est juste une marque de pain ou de galette. Moi qui suis célibataire, j'ai sûrement plein d'opportunités de rencontrer quelqu'un ici. Aïe aïe, en plein centre, il y a un beau brun à qui je dirais pas non. Merde, il y a une fille à côté. Bouf, c'est sûrement sa cousine. Je suis vraiment stressée. Je sais pas si ça paraît. Puis ça fait 3 semaines que j'ai plus d'ongles. Hey! Y a ben trop de gens qui me regardent! J'espère que je bafouerai pas mes premiers mots! Oh oui! Eric, qu'est-ce qu'il nous a dit déjà pour nous donner confiance? Imaginez-vous le public nu, les filles! Le public nu! Le public nu! Hey! Ça marche! Youpi! Mesdames et messieurs, applaudissez vos animatrices! Alexandra Bolduc, Charlotte Larouche et Eliane McKitchen! Bienvenue à cette 39e édition de Cégep en spectacle. Ce soir, vous assisterez à la finale locale du Cégep de Sainte-Foy. Cégep en spectacle est une production du Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec et une présentation du mouvement Desjardins en collaboration avec le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie. Devant vos yeux, pas moins de 45 artistes, 15 techniciens et 3 animatrices. Tous étudiants à notre cégep vous présenteront un total de 11 numéros. À la fin de cette soirée, un jury composé de 12 personnes aura la délicate tâche de déterminer 3 grands gagnants. Pour ce faire, leurs critères d'évaluation en pourcentage sont les suivants. L'originalité pour 30 % la présence sur scène pour également 30 % et le talent pour 40 % Et maintenant, à vous tous, nous vous souhaitons bon spectacle! Et maintenant, sans plus tarder, voici le premier numéro de la soirée, Théo! Salut, ça va bien? Hey, comment, Albert Rousseau, t'es bien plus gros que ça? Ça va-tu bien? Yeah, c'est bon ça! Fait beau dehors? J'y ai pensé, je me suis mis en sandales. Avez-vous passé une belle journée? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est une maudite belle journée, ça. C'est le fun. Moi, j'étais allé en éducation physique, puis je me suis raqué les pecs, genre. C'est ça. Ouais. Fait que Albert Rousseau, je me permets de te tutoyer, si ça te dérange pas. Aujourd'hui, ça commence en musique, c'est je pense spectacle. On est content. Mais j'imagine que tu l'avais déjà deviné parce qu'il y a un groupe puis une guitare dans mon cou. Oui. Et donc, si on commence en musique, ben, je suis pas tout seul pour faire ça, évidemment. C'est bien trop stressant tout seul. Fait que. Je fais ça avec des gens, puis tant qu'à faire ça en musique, ben, je vais vous les présenter en musique. On entend oui. Donc à la guitare, on a Cyril Lemieux.
piano Alexis Volant. À la basse, Devin William Labrec. Et à la batterie, Mathieu Boutin. Ce soir qu'on va jouer pour vous, ça s'appelle Anna et ça parle d'une de mes plus grandes déceptions amoureuses. La prochaine chanson s'appelle Expo et je l'ai écrit pour une de mes amies qui partit vraiment loin à Jonquière. C'est quand même 2 heures de char, je fais pas ça tous les jours. Fait que c'est ça, j'ai écrit une petite chanson quand elle est partie. Roule sur l'herbe et compte les années.
troisième rangée. Roule en avant en te situant où t'en prison. Quand berce le silence qui t'attend. Et change de voix pour un air froid. Dans le vent, tu prends ma main. Moi dans le ciel, l'amour exponentiel. Ah, ah, ah. Exponentiel. Si vous souhaitez rencontrer des gens drôles et merveilleux et même rire avec eux, nous vous invitons du côté du service de la vie étudiante sociaux, commanditaire de Cégep en spectacle. Sinon, regardez le prochain vidéo. Bonjour Madame Bolduc. C'est notre première rencontre. Bonjour Madame Bolduc. C'est notre première rencontre aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir consulter en psychothérapie? Je sais pas trop, oui. J'ai comme la difficulté à me faire des amis. À toutes les fois, ça marche comme pas. OK. Dans ce cas-là, est-ce que vous seriez capable de me donner des exemples? Je vous laisse regarder les mails. Merci. Est-ce qu'on voulait quelque chose à boire? De l'eau. De l'eau? Pour moi aussi. Parfait. Merci. Je suis vraiment contente de t'avoir rencontré. Mmh. Je vois souvent Café Oiseau, puis t'as vraiment l'air d'être intéressante. Arrête donc! Quand je vois tes beaux yeux bleus, j'ai l'impression d'être la mère. Trop cute! Allez, ça prend! Fais-tu de l'asthme? Est-ce que tu fais de l'asthme? J'ai mon premier soin! J'ai mon premier soin! Mais là, il y a des limites. Je m'en vais, on a 10 mètres demain. Ok,
voir le nouveau film de Leonardo DiCaprio, là. Hey, moi aussi, j'ai tellement hâte. Ben voyons. Ben voyons, toi. Pourquoi tu t'oses pas? Hey, méchant Arla, hein? Comme si on avait juste ça à faire. Pourquoi qu'il se t'oses pas? Hein? Il nie-tu? Il me nie-tu? Klaxon. Quoi? Klaxon. Ben voyons. Nous sommes réunis ici ce soir afin de rendre hommage à Solange. Solange qui était aimée de tous, une bonne personne. La famille vous invite au sous-sol afin de partager avec elle un goûter. Mais avant, j'invite ceux et celles qui veulent rendre un dernier hommage à Solange. Depuis l'âge de 10 ans, la prochaine interprète n'a cessé de partager sa passion pour le chant, que ce soit en participant à plusieurs concours ou en faisant partie de diverses comédies musicales. Ce soir, elle se présente dans la catégorie chant-interprétation et vous offre sa version de « Le bleu lumière » tirée du film d'animation « Moana ». Accueillez-la, comme il se doit, Florence Dussablon. Bye.
prends-tu une salade ou un gros burger? Besoin d'aide? Besoin d'aide? Ouais, je suis pas trop sûre. Tu sais que c'est mauvais de résister à la tentation? Ben non. Justement, il faut résister à la tentation. Si on succombait toujours à nos envies. Mais voyons donc, tu dis n'importe quoi. D'où tu sors ça? Oh, je sais, hein? Ça vient certainement du journal intime de ton petit Didier. Oh, sainte Luzerne de te faire du petit péché! D'où j'ai su que ton langage est un mépris! Incroyable! Mais là, elle a juste une vie à vivre, elle peut bien manger des bonnes affaires si elle veut. Du gras, du salé, du sucré! Tout pour aider sa santé mentale. Oh, wow! Tu penses vraiment à la triste de cette façon-là? Wow! C'est subtil, ça. Hey, arrête donc ton petit numéro de Madame Parfaite. Je te rappelle que je t'ai déjà vu profiter des rabais météo chez Ashton. Hey, tu m'avais promis de plus jamais revenir là-dessus. Pourquoi qu'on reparlerait pas de notre belle petite ange à la place? Tu vois, elle parle pas. Ça, c'est parce qu'elle est de mon bord. Une de plus. Bienvenue en enfer. Peut-être que je parle pas parce que vous me laissez pas le temps de place à un mot. Regarde, moi, te le dis bien sincèrement, là. Satisfaire ses envies, c'est la mettre sur personne. Regarde Éric Lapointe. Éric Lapointe, sérieux, arrêtons de déraper. Revenons à une petite brebis à la place. Écoute, suis mes conseils. Le cholestérol bouche les artères. Pis ça, sais-tu ce que ça veut dire? Pis toi, avec tout ce qu'on trouve dans tes salades, là, les engrais chimiques, les pesticides, les OGM, à certains endroits, on trouve même des rongeurs. Come on, Angel! J'ai mon quota d'entrée en enfer à atteindre pour aujourd'hui. Oh! Elle a pris sa décision. Oh, regarde-la avec son petit air décidé. C'est sûr qu'elle va prendre la salade. Regarde, ben non, regarde. Ses yeux pétillants, puis la salive au coin de ses lèvres veut tout dire. Regarde, si elle est belle, c'est clair qu'elle va prendre son burger. Ouais, j'ai pris ma décision. Je vais y aller avec les sushis, finalement. Ciao. Ben oui, c'est ça. Écoute-nous pas. On sert à quoi, nous autres, hein? On n'est pas venus ici pour rien? Moi, le moment est décidé même, là. Pas capable. Je vais vous prendre une salade pour apporter, s'il vous plaît. Hein? J'ai bien entendu une salade. Toi, ça? Ben, avec beaucoup de vinaigrette, là, pis de la mayo rien qu'en masse. Dans ce cas-là, ça va être le top burger dégoulinant de gros trans pour moi. Mais avec une feuille de laitier, par exemple. Sa musique est un livre ouvert sur son cœur. À travers ses chansons, elle vous offre son expérience, sa vision du monde. Sans racines, puisqu'elle a passé sa vie à déménager de pays en pays, elle a vécu sur 3 continents différents, c'est à travers la musique, un langage universel, qu'elle trouve son ancrage. Voici Arimanda Ratavon Janahari. Bonsoir. Alors, moi, vous allez voir, on m'appelle de plusieurs façons. Adna. Pour certains, je suis la fille aux cheveux rouges. Les plus courageux s'essayent pour Arimanda Ratavon Janahari. Mais la voix off, ça compte pas. Hein. Je suis sûre que c'est pratiqué. Bienvenue dans mon monde. Pour moi, la musique, c'est comme un livre. Ça raconte une histoire. Sauf qu'avec la musique, on a juste besoin de nos oreilles et de notre imagination pour être transporté ailleurs. Alors ce soir, laissez-moi vous raconter une histoire. Et toute belle histoire a son personnage. Voici l'enfant du monde. Je vais te raconter une histoire. Elle te sera difficile à croire. Pour toi, l'enfant qui est né, qui a grandi dans cet endroit précis que tu appelles ton pays. Je t'habite en Amérique. Mon cœur de la France est alcoolique. Si je goûte encore les saveurs d'Afrique, je rêve depuis longtemps de me plonger dans l'Atlantique. Le
japonais pour moi est si mélodique. Rien dans ma vie ne sonne vraiment exotique, sauf peut-être les idées trop dogmatiques. Enfant du monde, élu étranger à l'année, toujours mon cœur vagabonde, sans jamais vraiment s'arrêter. Ton âme sonde, tu es plein de bonne volonté pour me faire entrer dans ton monde. T'es pas le seul à t'acharner. De la petite école à l'université, ton chemin semble tout tracé. Tu te rebelles un matin pour te croire singulier, mais déjà ton âme est à l'uniformité. Dans ma tête résonne un millier de chansons, mon cœur bat au rythme de plusieurs nations. Si je connais toutes vos traditions, mes yeux ont eu la chance d'embrasser d'autres saisons. D'ailleurs, j'ai ma vision, un mélange du meilleur de tant de façons. Je ne m'arrêterai pas à ce qu'un seul peuple juge bon. Enfant du monde, même quand je suis bien entouré, je vis une solitude profonde. Mon âme sonde, tu es plein de bonne volonté pour me faire entrer dans ton monde. T'es pas le seul à t'acharner. Merci beaucoup. Je sais pas vous, mais moi, ce qui fait que je m'attache à un personnage, ce sont ses aventures. La façon qu'il a de relever les défis, sa manière de faire face à l'adversité. Parmi les épreuves de la vie, il y a la séparation. Pendant longtemps, je la voyais comme un grand vide, un monde qui s'écroule, la fin de tout. Et puis un jour, j'ai changé mon fusil d'épaule. Quand une histoire se termine, une autre ne commence-t-elle pas? Je vous laisse découvrir comment notre personnage a vécu la perte d'un être très cher à son cœur. On a passé ce regard d'autrefois, cette passion qui nous ramenait vers toi, et cette vision nos frères à moi. Elle aura marqué ma vie, tu vois. Es-tu plus libre dans cette vie sans moi? Encore plus libre que je le suis sans toi. J'espère pour toi. J'ai fait jaillir du plus profond de toi une chaleur qui a ranimé ta foi, et ce sourire que je garde encore de toi, loin de ce masque froid que tu montres aux autres chaque fois. Es-tu heureux dans cette vie sans moi, aussi heureux?
quelquefois. Mais j'ai trop à prendre pour pleurer sur nos cendres. La vie me sourit, tu vois. Nous sont passés tes rêves d'autrefois. Cette lumière qui m'aura mené vers toi. Et cette vision que tu n'offrais qu'à moi. Elle aura marqué ma vie, tu vois. Es-tu heureux dans cette vie sans moi? Aussi heureux que je le suis sans toi. Car pour être heureux, il faut faire plus que ton mieux, mon vieux. Ta vie, tu ne l'auras qu'une fois. Ta vie, tu ne l'auras qu'une fois. Ta vie, tu ne l'auras qu'une fois. Merci. Vous savez quoi? Cette histoire n'est qu'à son commencement. C'est sûr, vous allez encore entendre parler. Mais ça, c'est un autre chapitre. À bientôt. Bonjour mesdames, vous le savez, aujourd'hui est une journée décisive pour votre carrière. Si vous réussissez ce dernier test, qui sera surveillé par les membres de l'Association étudiante du Cégep de Sainte-Foy, fier commanditaire de Cégep en spectacle, vous deviendrez ingénieur et aurez un brillant avenir. Mais si vous échouez, vous ne deviendrez rien. C'est parti! De savoir comment commencer. Mais c'est pas compliqué, c'est comment ça le début. Mais oui, mais je veux bien, mais c'est quoi le début? En 40 bacs en génie mécanique, on n'a jamais été préparé à ça. Regarde, c'est pas compliqué. T'as juste à placer le numéro 1 dans le 2, ensuite le 3 dans le 4, puis après, t'es assemble ensemble. Penses-tu être correct pour débuter? Oui. Tiens, toi, si tu penses que tu vas rester la meilleure, t'essaieras de faire tourner une roue sans engrenage. Pensez où mon engrenage? C'est pas grave, j'ai une idée. Une chance que t'es débrouillable, parce que ce serait plate qu'il te manque d'autres morceaux. Bon, regarde la névrosée qui se remet. Je pense que c'est pas quel morceau va dans quoi. Une roue puis un pare-brise de voiture, c'est très confondant. On s'y méprend facilement. Arrête d'être méchante avec elle! Elle est dyslexique! Veux-tu que je t'aide? Regarde, le numéro 1, c'est lui. Tu le mets comme ça, dans le numéro 2, ici. Ok, je pense que j'ai compris. T'es sûre? Parce que cette partie-là est vraiment plus complexe. Oui. J'aurais pu terminer. Là, j'ai absolument rien fait. C'est pas grave. De toute manière, tu feras jamais ça dans ta carrière. Puis dis-toi que tu vas devenir ingénieur. Ouais, parce que sans ça, t'auras aucune chance. Hey, mon plan, il est passé où? Peut-être parti au vent, il y a beaucoup de courant d'air dans cette classe. On s'entend que s'il était parti au vent dans la classe, je le verrais. Il n'a jamais été prouvé qu'il n'existait pas de quatrième dimension. Il est peut-être à la même place, les bas perdus dans sa chaise. Ben oui. C'est pas grave, de toute manière, je m'en souviens parfaitement. Mesdames, le temps est malheureusement terminé. À ma grande surprise, seulement deux d'entre vous ont réussi leur test. Madame Minerve et Madame Cossian. Félicitations, mesdames les ingénieurs. Madame Cossian, faites attention, je sais que vous parliez beaucoup.
Madame Minerve ne sera pas toujours là pour vous aider. Tant qu'à vous, Madame Lassalle, vous pourrez vous reprendre l'an prochain. En attendant, bon, ben, rien. Amusez-vous bien. Jeune auteur, compositeur, interprète tout droit venu de France, il vous présente deux freestyles. Le premier est déjà disponible sur YouTube et le second est une exclusivité. Appréciez Chérifère! Alors, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Chérifère. Je vais vous interpréter deux freestyles. Le premier disponible sur YouTube, le prochain. C'est l'épisode 1. Intrépide comme Victor Hugo. J'ai déjà préparé les 3 semaines à venir en remplissant le Death Note à l'avance. J'ai déjà montré à elle que Kira pouvait contrôler l'heure de la mort de ses victimes. Ok. Donc ce soir, il faut que je tue des criminels. Check. C'est l'épisode 1, j'annonce ma venue. J'ai pas temps pour rétrograder, je suis à mes débuts, pas un grand vécu. Mais t'inquiète, j'ai de quoi gratter. Ma recette est prête, j'attends ton ressenti. Gros, je suis que de passage, je vais pas rapper 100 ans. La rage de gagner, envie de les battre. Date pas d'hier, je l'ai depuis un vent. Ils se butent à l'alcool pour avoir de l'inspi. Toujours rester conscient, j'écris tout à l'instant. Le futur inscrit, j'appe avec modestie. Prends pour personne, je vise que t'es tapant. Chacune de mes rimes était préméditée de façon qu'ils aient recours aux médicaments. Je m'assimilais, je suis assez malin. La couronne de ma mère. Hey, je reviens d'en bas comme ma vie saine, hey, finir en haut comme à Véro. Est-ce que des VA10 dans la véranda? Le ciel est gris, ouais, je suis pragmatique. On est sorti du périmètre. Je me contente pas d'un demi-cercle pour avoir la paix dans ce monde. C'est plus qu'un demi-siècle. Nouveau rappeur millionnaire, rap avec un dictionnaire. C'est pas mon cas, moi j'écris avec ma plume la plus sincère. Tout est calculé, finir en haut plus qu'un cardinal. Depuis insomnie, j'ai carburé. Demain matin, si je reste en vie, je perfectionnerai tous les efforts d'hier. Je suis presque 2 mètres, plein d'énergie. Aller-retour, je gravis des cordillères. L'artola trempe, l'œil à mes liesses. Pas besoin de bouger, tout est dans la bretèche. Intelligent, pour eux proscrits, on sait très bien qu'ils ont peur de la jeunesse. Eh, mais son restaurant signe eux. En aucun cas, frérot, je vais signer et il y aura pas de pactage. Cache ton pactole, plus te renseigne pour pas vite un captage. Trop de choses à dire, je peux faire rapper sans thème. J'ai soleil en visio, j'attends qu'il touche à peine. Donc y'a pas le choix, faut que j'ai surprenne. J'en vais serrer Tristan, faire répondre la nouvelle. Chéri, bye. Intrépide comme Victor Hugo. Bon, là c'était la partie énervée. Je vais vous montrer aussi que je sais écrire conscient. Donc le deuxième freestyle, juste des confessions. Okay. Épisode 2. Ouais. Quand je vois les dirigeants, c'est les minorités ont mon respect car ils sont diligents.
De toute façon, personne m'écoute, à quoi sert de rapper? Je veux poser deux heures sur l'instru, ils préfèrent des sons évadés. Arrête, gros, t'es pas confiant, trop de tâches qui t'ont confié. Tu finiras dans le confio si tu perces que des coffres. À la base, t'étais dans le foot, et là, tu fais des fautes. Reprends l'école, reprends ton taf, sinon ils viendront te sauter. Quand la mort arrivera, t'auras pas le temps de taper. Tu ne verras que des images issues de ton passé. Pas là pour faire la morale, c'est qu'un freestyle concassé. Chacun le perçoit comme il veut, je ne suis pas venu me confesser. Bonjour madame, vous pouvez me suivre? Asseyez-vous, je vous prie. On a reçu vos résultats. Je suis désolée de vous l'apprendre, mais vous êtes atteinte de l'articulus ad libitum. Oh mon Dieu! Cela n'est pas vrai. Docteur, soyez honnête. J'en ai pour combien de temps? Ben, 5 minutes, gros mal général, c'est chargé aujourd'hui. Maman, maman, j'ai attrapé l'articulus ad libitum, maman! Je vais mourir! Non, laisse-moi parler, il me reste juste 5 minutes. Plus que 4 maintenant. Non, je te jure, le doc vient de me l'apprendre. Oui, oui, je venais tout de suite après mon rendez-vous. Si j'ai le temps. OK, bye. Je t'aimais moi aussi, maman. Mais madame... Chut, j'ai un autre appel à passer. Oui, bonjour, ça serait pour acheter un billet d'avion pour Bali? Oui, ben, je viens d'apprendre que je vais mourir, fait que je vais profiter au max du reste de ma vie. OK, ben je vais payer sur place, merci. Oh, pourquoi j'ai fait ça? J'aurais même pas le temps de me rendre à l'aéroport! Je reverrai jamais mon bois d'amour! Les yeux ont croisé les miens. Mais madame, vous avez pas compris. Je n'ai pas dit... Non, maman, c'est vraiment pas le moment, maman! Il me reste que 3 minutes! Mon enfant, je t'ai apporté le catalogue des pompes funèbres. Ça tombe bien. Il y a des beaux spéciaux à l'intérieur. Mais madame... Chut. OK. Oui, bonjour. Ça serait pour réserver un cercueil. Non, non, vous avez bien compris. OK, ben ça serait le cercueil blanc à la page 67. Oui, dans le style vintage. Oui, chauffé, éclairé, avec le petit sapin qui sent bon, là, ça serait parfait. OK, ben je vais passer le chercher dans 1 minute. Bye. OK, là, il y a toujours pas des limites. Tu vas m'écouter, espèce de petite folle. Tu vas pas mourir, as-tu compris? T'as juste une infection des voies respiratoires, d'un rhume, maudite ignorante paranoïaque. Oh, dommage. Je me voyais vraiment dans le cercueil blanc avec ma robe rouge. Merci, maman, et merci à l'association des parents des étudiants de cégep de Sainte-Foy. Fière, comment tu parles de cégep en spectacle? J'avais même des idées de musique pour la célébration. Puis pour le petit lunch, après... Des sandwichs aux œufs, j'avais pensé que ça serait une bonne idée. Puis des sandwichs au poulet aussi, tu sais. Présentant un numéro original en danse mixte, Félix est une personne passionnée de danse. Cet amour pour la danse, il l'a depuis qu'il est tout petit. D'ailleurs, autant dans la rue, les couloirs au cégep et même pendant les cours, il ne serait pas étonnant de le voir danser. C'est un autodidacte. Autrement dit, il a appris à danser en regardant des films et des vidéos. Encouragez-le par vos applaudissements. Balatabi Félix Bertrand!
Très bientôt chez Coop Sco Sainte-Foy, fier commanditaire de Cégep en spectacle. Hello. Bonjour, je suis Nancy Kerrigan. Oh, vous semblez malheureux, sans aucune joie dans votre vie? C'est sûrement parce que vous ne connaissez pas encore le Stylo 2018. Plus capable de vos vieilles traîneries qui prennent trop de place et qui ne fonctionnent pas toujours? Eh bien, tous ces engins pourraient bientôt être remplacés par un seul outil extraordinaire. Mesdames et messieurs, ayez votre carte de crédit bien en main, car le Stylo 2018 va révolutionner votre vie. Issu des plus prestigieuses universités japonaises, cette nouvelle technologie saura vous séduire. Voyez maintenant tous nos clients satisfaits et ce que le Stylo 2018 peut aussi faire pour vous. Wow! Une lampe de poche! Un dernier coup de brosse avant d'aller à l'école. Fini les problèmes de réseau! Sel et poivre pour assaisonner tous les repas. Pour bien mélanger une préparation à gâteau. Avec lui, je ne serai plus jamais en retard. Ça allait vite, vraiment! Pour les petits plaisirs coquins. Il trace parfaitement les grilles de tic-tac-toe! Vous voulez jouer? Il me rassure. Je n'aurai plus jamais peur de marcher dehors le soir. Et abat les malfaiteurs! Ah, Stylo, je t'aime tellement! Il y a ma vie avant Stylo et ma vie avec Stylo. Maintenant convaincu? Eh bien, téléphonez dès maintenant au numéro qui défile en bas de l'écran. Et dépêchez-vous de faire vite, car l'offre est d'une durée limitée. Le Stylo 2018 sera à vous pour la modique somme de 28 $ ou payable également en 4 versements de 15 $. De plus, si vous appelez dans les 15 prochaines minutes, on vous enverra aussi une jolie pochette de rangement. Et si vous êtes parmi les 10 dernières personnes à appeler, vous courez la chance d'obtenir une discrète gomme effacée pour faire disparaître tous vos dégâts. Pour vous aider à passer 2018 tout en style, le Stylo 2018. Et maintenant, voici la troupe de la Pastille qui vous présentera un extrait de la comédie musicale Le songe d'une nuit d'été de William Shakespeare. À noter que ces 18 passionnés de théâtre vous offriront la représentation complète les 14 et 15 mars prochains au théâtre du Petit Champlain. Là-dessus, place au théâtre! Thank you.
avec des êtres ou ne pas être interminables, des fantômes qui font la leçon et des combats de coq à l'épée. Aujourd'hui est un jour heureux. Le jour du mariage entre moi, Hippolyta, reine des Amazones, et Thésée, roi d'Athènes. Souriez, c'est mieux. Hétra, pleine de ressentiment, je viens ici me plaindre de ma fille Hermia. Elle est amoureuse du satané Lysandre, alors que ce cher Démétrius a mon consentement pour l'épouser. Je réclame donc l'ancien privilège d'Athènes. Il ira soit à ce gentilhomme, soit à la mort. Maman! Vous devez leur faire entendre raison, ma reine. Qu'avez-vous ajouté? Je suis fou amoureux d'Hermia. Il est hors de question que j'épouse Démétrius. Démétrius a conquis mon cœur. J'aime Lysandre. Elena me donne envie de vomir. Hein? Bons amoureux, voici une fleur magique qui réglera tous vos soucis. À consommer avec modération! Merci. Voilà qui est réglé. Le moment de mon union approche à grands pas. Il reste encore beaucoup à faire. Allez, musique! Bye.
Cet intermède musical vous est gracieusement offert par Long & McQuaid, précieux commanditaire de Cégep en spectacle. Sont où les clés? T'as pas encore vidé la vaisselle? Ramasse donc tes bas! Dépêche-toi, on va être en retard! Oh. L'homme est une espèce qui sort de l'ordinaire qu'on essaie d'apprivoiser. Camila Rodriguez chante depuis qu'elle est toute petite, mais elle n'a jamais présenté de composition personnelle devant public. Elle vous livre aujourd'hui ses sentiments avec, avec sa composition partielle « Père sonne » et son interprétation de la chanson « Papa Outé » de Stromae. Applaudissez Camila Rodriguez! Bonsoir, vous allez bien? Donc, moi, pour ma part, ça va très bien, mais je dois vous avouer que ça me fait un petit peu peur d'être ici ce soir, non pas parce que c'est la première fois que je chante sur une scène, je pense que c'est une petite erreur qui s'est glissée, mais c'est surtout parce que c'est la première fois que je parle d'un sujet comme qui me touche personnellement sur scène. Donc, c'est ça, au début, j'avais pas envie vraiment de faire ce numéro-là, mais je me suis dit, au fond, pourquoi je fais de la musique, c'est pour exprimer mes sentiments, pour dire comment je me sens, puis aussi pour que je puisse connecter avec des personnes qui sont dans la même situation que moi. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'être ici ce soir avec vous pour vous parler d'un sujet qui me touche personnellement, mais qui touche aussi 3 enfants sur 10 au Québec. En gros, c'est les enfants qui grandissent dans une famille monoparentale, avec des parents séparés ou sans la présence de leurs parents. Alors, j'ai écrit un poème que j'ai intitulé « Personne ». Donc, c'est pour ces gens-là, puis c'est pour moi aussi. Alors, j'espère que vous allez apprécier. C'est une histoire d'enfants. D'enfants comme vous et moi. D'enfants fils ou filles, d'une telle et d'un tel. D'enfants qui, sans qu'on s'en aperçoive, grandissent, ont grandi et sont devenus grands, mais qui ne comprennent pas pourquoi ils ont grandi, sans que monsieur un tel ne soit là, sans que monsieur un tel n'ait compris qu'ils auraient eu besoin de lui. Je vous ai dit qu'on parlerait d'enfants, mais ce sont plutôt les un tels qui sont les protagonistes. Protagonistes d'un récit duquel ils se sont retirés, en oubliant qu'ils en étaient aussi les auteurs. Qui sont partis sans crier gare, qui ont abandonné la partie, nous ont abandonnés. Qui étaient peut-être là physiquement, mais qui avaient clairement la tête ailleurs. Qui regardaient à gauche quand les enfants jouaient à droite. Qui regardaient en haut quand les enfants étaient en bas. Ou peut-être n'étaient-ils simplement pas là, s'excusant avec des « pas le temps, pas le temps » ou qui peu à peu, désillusionnés, se sont éloignés. Oh, ils étaient sans doute pas mal intentionnés, travailler pour apporter à la maison, mais à quoi bon soutenir une maison avec des habitants en carton? Des êtres pâles et chétifs dont les couleurs sont partis au boulot avec Monsieur Untel, partis voir le monde avec Monsieur Untel, partis refaire leur vie avec Monsieur Untel.
Pourquoi serait-elle restée avec les enfants en carton? Pardonnez l'insolence de ce conte qui n'en est pas un. J'aimerais pouvoir régler ces comptes doucement, sans blesser, sans faire mal ni vous faire culpabiliser, mais je ne peux pas. Je ne sais pas. Car dans les contes, ils n'en parlent pas des chevaliers qui partent. Dans les contes, ils ne partent pas après avoir trouvé la princesse. Je n'ai pas connu les arcs-en-ciel ou les fins heureuses ou les parcours formidables des pré-chevaliers. Je n'ai pas connu la stabilité et la famille parfaite, ni un tel à admirer. À bien y penser, mon histoire, c'est une histoire d'enfant. De petits qui, la nuit, rêvent d'un retour. De grands qui, le jour, n'osent plus y penser. D'enfants nés d'un idéal amoureux, mais qui ont été élevés par l'individualisme. Personnellement, j'ai appris à grandir en côtoyant une ombre. Mais je ne lui en veux pas. Parce que contrairement aux enfants, M. Attel ne pouvait pas savoir qu'après lui dans l'histoire, pour remplir son rôle, il n'y aurait plus personne. Donc, la deuxième pièce, ça va être une interprétation d'une chanson qui reste dans le même sujet. C'est d'un artiste que j'apprécie énormément, donc c'est vraiment un honneur pour moi de faire sa chanson. C'est Papa Outé de Stromae. Merci. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux que d'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Un sacré papa. Caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts.
Attention à toutes les patrouilles. Des agents sont demandés au restaurant L'Euphorie sur Pierre Bertrand. Merci. Je sens un mélange de lâcheté et d'hypocrisie. Moi, je trouve que ça sent le bacon. Oh, regarde à tes pieds. Ah! Pardonnez-moi mon retard. Le restaurant L'Euphorie est très loin de chez moi. Oui, oui, on comprend. L'important, madame la coroner, c'est vous que soyez arrivée. Je sais. L'indifférence a encore frappé, même si elle a essayé de brouiller les pistes. Regardez. Oh, mon œuf! Mais c'est le positivisme. Comme c'est affreux. J'y pense, nous devrions mettre des effectifs pour la protection de son cousin, l'optimiste. Je crois qu'il est le prochain sur sa liste. Bonne idée! En espérant qu'il ne soit pas déjà trop tard. Mon Dieu, que le positivisme n'est pas chanceux! En plus, il était allé se confier au curé Lajoie la semaine dernière. Malheureusement, il a été retrouvé mort. Quoi? Le curé Lajoie est mort? Oui. Il est décédé quand vous étiez parti la semaine dernière. Mais je ne suis pas partie. Oh, oui, c'est ça. Comment le meurtre s'est-il déroulé? Je crois que l'indifférence n'a pas agi seule sur ce cas. Sa signature n'est pas comme d'habitude et à me fier aux traces jaunes, j'ai pu remarquer qu'ils étaient trois. Crois-tu que le mépris l'aurait aidé? Le mépris est beaucoup trop occupé à s'occuper à dire des gros mots pour tuer. Oui, mais il ne s'entendait pas très bien avec le positivisme. Je crois qu'il aurait conduit l'indifférence et la mélancolie. La mélancolie? Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y ait participé? La mélancolie se cherche. Elle ne sait pas si elle est heureuse ou indifférente ou encore triste ou fâchée. Alors je crois que l'indifférence en a profité pour la mettre de son côté. L'indifférence tient à se venger de tous ceux qui la rejettent. Elle embarquera avec elle tous les gens fragiles comme des œufs ou victimes du gang de la positivisme. Le gang du positivisme. Ça l'expliquerait bien les choses. On peut dire que l'indifférence fait vraiment pitié. Elle ne cède pas, elle ne montre aucune émotion, comme si tout ne lui faisait ni chaud ni froid. Si elle continue comme ça, elle ne fera pas vieux œufs. Ne pas montrer d'émotion ne veut pas dire qu'on n'en a pas. La colère a rencontré l'indifférence dernièrement. Je ne crois pas que c'était une bonne chose pour l'indifférence. La colère l'a peut-être amenée à se venger. Je ne pense pas que l'indifférence soit influençable. Au contraire, je crois qu'il est capable d'agir seul, comme un œuf dans sa coquille. Et oui, je suis l'indifférence! Vous? Oui! Je croyais que le coupable était un homme, laid, habillé en œuf. Il nous crie, nous creuse, le coco! Nous aurions dû s'en douter. Oh mon œuf! L'indifférence! Vous êtes en état d'arrestation! Ne bougez pas! Vous êtes cuit! Isabelle et Azaph forment un jeune couple passionné. Vous êtes avertis, les scènes qui suivront ne sont pas recommandées pour un public souffrant d'une peine d'amour. Alors on vous conseille fortement de vous munir de mouchoirs, si tel est votre cas. Dans la catégorie chant et musique création, le duo vous chantera leur vécu amoureux à travers leur composition en trois saisons. Voici
bonbons à la cannelle. Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Hey, c'est parfait ça. Hey, savez-vous quoi? Vous avez le droit de rire. Vous pouvez pleurer aussi. Si jamais ça vous tente, ben, chantez avec nous. Un matin de janvier, le soleil s'est levé. Je voulais rester couché. Continuer de rêver. Qu'un jour je pourrais être percé par un baiser. Comme un bébé dont la maman ne cesse d'embrasser. Mais plus passionné. Comme tes doigts qui commencent à bien noter. Bye.
papa. À vous maintenant. Dernière fois. Très bon. Les enfants, c'est l'heure de la récréation. Non, c'est toi qui vas me faire mal. Continue. Tout ce que les parents peuvent nous faire à croire, là. Quand même. Je comprends pas. Ben, ils nous disent constamment, là, de pas manger des bonbons parce que c'est pas bon pour les dents. Mais ça, c'est juste pour pas qu'on en mange. Parce que la nuit, quand ils vont faire pipi, qui est en train de manger? Papa. Oui, mais c'est quand même vrai que les caries, ça fait des... Les bonbons, ça fait des caries. La fée des dents, la dernière fois, elle m'a même pas donné d'argent parce que j'avais une carie. Elle m'a juste laissé un mot. Fais mieux la prochaine fois. Elle est pas fine. Mais voyons. C'est comme quand nos parents ils nous disent d'être sages, quand, sinon le Père Noël nous donnera pas de cadeaux. Mais les enfants, c'est toujours tannant puis méchant, puis Père Noël nous en donne tout le temps des cadeaux pareils. Ben non! Moi, la dernière fois, quand j'écris sur ma soeur avant Noël, le Père Noël, il m'a juste donné une carte dans laquelle il était écrit « Si t'es fine jusqu'à ta fête, peut-être que tu vas avoir ton cadeau. » Ah ouais? C'est quand ta fête? Le 3 novembre. Hé, hey, j'ai honte, là! Ouais, ça, ça c'est juste si t'es sage. Hé, hey, puis c'est comme... C'est comme quand ils nous disent que si on compte des mentries, notre nez va allonger. Et si c'était vrai, tous les policiers auraient le nez long. Ça me fait penser. Qui est à Montréal. Il a le nez long. C'est vrai, on pourrait y accrocher tous nos vêtements. En parlant de vêtements, j'aime vraiment pas ça être la dernière de la famille. J'ai jamais eu de linge neuf, moi. Faut toujours que je porte le linge de mes deux sœurs et de mon frère. Arc! Ça veut-tu dire que ton frère a porté les linges de tes deux sœurs? Ouais. Mais mes parents trouvent ça ridicule d'acheter du linge neuf quand le nôtre est encore bien beau. Ah, OK. Puis pour eux, c'est pas important la couleur. Ils sont dalmatiens, je pense. Dalmatiens? Comme les 81? Il était pas 23? Avec dessus-dessous? Oui, c'est ça! Ah, retourne-tu à l'aquarium à côté des blocs Lego? Ouais. Ouais, puis on pourrait lancer le lunch d'Ismaël David dedans. Oh non, il va encore manger son sandwich toute mouillée! Oh! Attention, Madame Francine! Vite, on se cache! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Peut se cacher. Ouais. Si on ne me voit pas. C'est fini.
Jeune auteur-compositeur-interprète à saveur frivole, Gabriel Brisson souhaitait gratter sa guitare dans le style folk franco-planant. Ce soir, ça lui fait plaisir de vous jouer Mirage et Est-ce que ton souvenir te reste? Sans plus tarder, Gabriel Brisson! Ça va bien tout le monde? Je suis très content d'être ici ce soir avec vous. C'est la première fois que je fais ça tout seul sur une scène de même, donc je suis très excité. C'est spécial parce que je travaille à Salle Barousseau, puis là, je me ramasse à la scène de l'autre bord. Là, donc, salut à mes collègues qui font un magnifique travail. Je vais vous faire ma première composition, ça s'appelle Mirage. Ça parle des femmes qui sont des fois des créatures qu'on ne comprend pas de temps. Donc, j'espère que vous allez apprécier, ça va comme suit. Rigoldo sur mon moral, dégado quand je l'étale, un pédalo dans son bocal, ris pas trop dans mon mental. Chemin se croise sans route, sous les pieds des heures en cours. C'est mirage de croire au but, c'est stupide d'attendre son tour pour voir un grand lac miroitant qui reflèterait ce qu'on voudrait tant. Naviguer sur la bonheur, arrêtez de compter les heures. T'existes-tu? T'existes-tu? Quand le ciel regarde de ses trop nombreux yeux, les images défile en invention de nous deux. T'existes-tu? T'existes-tu? Une crevasse au fond du bot, une belle feuille au plein, aspirant l'absence de faute. Ouais, on se connaît quotidiennement. T'existes-tu? T'existes-tu? Quand le ciel regarde ses trop nombreux yeux, les images défilent en invention de nous deux. T'existes-tu? T'existes-tu? Un chalet en bois rond, des paysages de fond,
paradis bonbon. Merci beaucoup. Là, ma mère va sûrement être frue parce que j'ai décidé de rester en bas, là, mais... Excuse. La prochaine chanson, ça s'appelle « Est-ce que ton souvenir te reste? » C'est une chanson que j'ai écrite en observant mon grand-père qui souffre d'Alzheimer depuis quelques années. Puis dans le fond, ce que je trouve fascinant par rapport à cette maladie-là, c'est au travers de cette démence-là, il y a tout le temps des petits moments de lucidité qui restent. Puis en voyant ça, il m'est venu cette tune-là, donc je sais pas si vous l'appréciez. En dedans de tes tripes, la pointure qui s'éteint sur les doigts de tes mains. Prends-le pas mal si la vie t'a volé tes années, ta fierté, tes amours, tes torts, mais semble que le temps y va fort. Non, faut pas que tu y penses à ce qui reste de non-sens qui gravite ton espoir. Quand les larmes sur tes joues s'écoulent tout à coup, une rivière de détresse dans une mer de darkness. Est-ce que mon souvenir te reste? Est-ce que ton souvenir te reste? Prends-le pas mal, 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 prends-le pas mal. Ça fait mal. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Après la pause, revenez-nous pour connaître les prévisions météorologiques. Les filles, Patrick m'a laissé hier pour partir avec Christine. Ben voyons donc, tu me niaises là? Non. Et que je savais qu'il était de même, lui. OK, stand by dans 3, 2, 1... Allons rejoindre notre Miss Météo. Bonjour, Julie. Bon matin, Cassandre. Et les gens à la maison, vous croyez qu'il fait froid en ce moment? Eh bien, regardez ce qu'il vous attend.
dans les prochains jours. Et oui, après un doublé de tempête le 3 et le 4 février, c'est le froid glacial qui nous provient du nord qui va venir s'installer dans la région de Québec. Et ça va créer un froid, pour ne pas dire un fret, comme par exemple quand un gars laisse sa blonde pour partir avec une autre. Ah, mais là, je dis ça de même. Mais j'aurais aussi pu dire que les zones de haute tension créées par le cortex polaire sont provoquées par une petite fatigante qui vient voler le chum de l'autre. Ah, mais là, ça doit être une coïncidence, virgule, un hasard. C'est pas du tout parce que mon chum m'a laissé hier pour penser que ça a belle Christina que je dis ça. Ben non! Hey, jamais! OK, Julie, on reste dans le sujet, s'il te plaît. Oui, oui. Dans toute cette vague de froid, vous allez quand même pouvoir... Oui, elle va remonter vicieusement. Excusez-moi, pardon. Elle va remonter toute la côte est des États-Unis en passant par New York. Oh, New York. Ça me rappelle tellement Patrick. C'est dans les honorés. Julie, va pas là. Tu te fais du mal pour rien. T'as raison. On était où déjà, là? Le redoux, Julie. Le redoux. Il va finalement nous arriver au Québec. Ça va être une sorte de petit vent qui fait chier. Vous savez, celui qui nous donne l'impression qu'on est au printemps, mais en réalité, c'est encore l'hiver. En fait, c'est comme une Christina qui se vante à tout le monde d'avoir l'avoir trouvé l'homme de sa vie. L'homme de ma vie! Non, sérieusement, je sais vraiment pas ce qu'elle est de plus que moi. Non, c'est vrai, c'est pas parce qu'elle réussit à combiner le travail, les études, qu'elle donne des cours de ski, qu'elle anime une émission de radio, qu'elle est aussi une Miss Météo, qui est meilleure que toi. T'es bonne, t'es belle, moins qu'elle. Mais t'es capable. OK, là, Julie, là, ça marche pas partout. Si tu t'écartes encore du sujet, ben, je vais être obligée d'appeler Christina. Je pense que j'ai besoin d'une pause. Ben là, elle est moins belle, elle est moins belle. Faut y dire, à un moment donné, il faut qu'elle sache. Grande passionnée de musique depuis son plus jeune âge, Andréanne vit lorsqu'elle est sur la scène. Grande rockeuse de nature, ce soir, elle sort sa plus grande finesse pour vous faire part de son histoire. Tirée de la pièce de théâtre Les Misérables, elle vous interprète la chanson Mon histoire. Bien qu'elle ait eu des petits ennuis de santé dans les dernières semaines, la voici en mise en scène réduite ce soir, Andréanne Bouchard. J'attends que vienne le soir pour l'évoquer dans ma mémoire. Je marche seule et chaque nuit les rues de la ville m'appartiennent. Toutes mes pensées s'envolent vers lui, je mets ma vie dans la sienne. Paris dort dans le noir. C'est un rêve qui commence dans les pages d'un conte de mon enfance. Les yeux fermés, mon prince, enfin m'enlace. Et je prie pour que jamais son étreinte ne se défasse. Avec lui, je ne suis plus la même.
j'aime la pluie. Et quand on se promène, nous deux ombres, comme deux géants qui s'aiment, s'allongent à nos pieds, vont se mirer dans la scène. Je sais bien que j'ai tout inventé. Je sais bien qu'il n'est jamais à mes côtés. Et pourtant, je continue à croire qu'avec lui, j'écris mon histoire. Oui, je l'aime. Mais comme les nuits sont courtes, au matin, il a repris sa route. Et le monde redevenu le même a perdu ses couleurs et l'arc-en-ciel son diadème. Oui, je l'aime, mais je suis seule au monde. Hey, c'est quand même fou les dessins qu'ils réussissent à créer dans nos cafés. Puis tout ça, rien qu'avec la mousse de lait. En tout cas, faut leur donner ça, parce qu'ils sont vraiment pourris pour écrire nos noms, ces gobelets. Mais leurs dessins, waouh! Hey, moi j'ai un nounours. Puis toi? Leonardo DiCaprio! Hey, puis toi, Charlotte? La cathédrale de Barcelone! Ben voyons, ça se peut pas! Ben, ça me fait penser, j'ai déjà vu un reportage à GIE, il disait de se méfier des dessins comme ça. Pourquoi? Ben, il paraît que quand tu regardes sous un autre angle, on comprend le vrai message de l'auteur du dessin. Mais voyons, toi, ça. Tu le dis. Hey, Alex, t'as raison. C'est plus Leonardo que je vois, c'est... Oh mon Dieu, Éric Salvaille! Ah. Puis moi, c'est plus une cathédrale, c'est une grosse bouche ouverte avec des dents pointues. Puis moi, mon nounours s'est transformé en clown qui fait... des clins d'œil. C'est du harcèlement puis de l'intimidation, ça. Ouais. Faut pas se laisser faire. Non. T'as raison, pis c'est non! Ok, moi je reste pas une minute de plus ici, en tout cas. On sort d'ici. Écœurant! Il peut être vite! Salaud! La troupe de danse Impact Elite. Vous... J'ai bien dit, la troupe de danse Impact Elite vous présentera ce soir leur chorégraphie IMPT. Formée de 15 danseurs, 15 caractères, 15 forces, 15 atouts différents, mais une fois réunis ensemble, ils ne forment qu'une seule et unique personne. Vous serez impressionnés par cette troupe au grand talent qui vous offre une chorégraphie qui englobe plusieurs styles de l'univers du hip-hop. Mesdames et messieurs, la troupe Impact!
C'est maintenant le temps de l'entracte d'une durée de 30 minutes. On vous invite d'ailleurs à vous rendre au foyer de la salle Albert Rousseau afin de vous procurer des rafraîchissements. Chissements. Et on vous donne tous rendez-vous ici même, immédiatement après, où la soirée se terminera avec la remise des prix. Une autre raison d'être de cet entracte, la comptabilisation des fiches d'évaluation des membres du jury. Sans plus tarder, c'est avec plaisir que nous vous les présentons. Maxime Lehoux. Catherine Cochon. Martine Cyr. Karine Miville-Deschaines. Madeleine Ouna-Miljour. Jade Thibodeau. Sabrina Ing. Geneviève Richard. Jennifer Montreuil. Pierre Baudet. Jasmin Brassard. Et Pierre-Maurice April. On remercie également les juges qui... On remercie également les juges qui donneront leurs commentaires aux artistes des numéros à la fin de la soirée. Valérie Pitre, Marie-Pierre Deschaines, Stéphane Moreau. Une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît, pour tous nos juges. Et vous, cher public, nous vous donnons un devoir à l'entracte. Votez pour le prix du public. Pour ce faire, voici les étapes. Vous vous connectez au réseau sans fil du Cégep en entrant les paramètres suivants. Réseau, visiteur, utilisateur, Cégep, mot de passe, spectacle. Ensuite, vous allez sur l'adresse IP juste ici. Donc, c'est http://bit.ly/final18. Et vous faites votre choix. Vous avez une durée de 20 minutes pour faire votre choix. À tous, nous vous offrons aussi une alternative. Complétez un des coupons qui seront disponibles auprès des membres de notre équipe de premiers soins Rapid Secours qui seront bien visibles dans le foyer de la salle Albert Rousseau. Et les déposer à cet endroit. La gagnante ou les gagnants seront dévoilés à la fin du spectacle et se mériteront une bourse de 100 $. Levez du rideau, s'il vous plaît! Pour vous rafraîchir la mémoire et vous aider à faire un choix éclairé, voici à nouveau les artistes par ordre d'apparition qui ont su vous faire passer un bon moment ce soir. Théo! C'est pas les rats, les rats. Florence du Sablon! Les rats à l'heure, laissez les rats. Les bandits à cravate, le temps qui tend trop à droite, les G.I. Joe, je regarde en haut. J'aime les oiseaux. Chérie Paille. J'aime les oiseaux. Balade à vie, Félix Bertrand. J'aime les oiseaux. J'aime
bat les cons, les contraventions, la fucking insomnie, la surconsommation, moisir dans le trafic, bouffer du boudin, sentir le monde. Bonbon à la canette, Isabelle et Azart. Si pas la cupidité, un bon coup de pied au cul, l'avidité, les oignons crus, Gabriel Brisson, les demi-dieux, les pseudo-experts de mes deux dans la télé, dans la radio, dans les journaux. J'aime les oiseaux. Andréane Bouchard. J'aime les oiseaux. Et pour finir, la troupe de danse Impact. J'aime les oiseaux. J'aime les oiseaux. Alors à tous, on vous souhaite un bon entracte. Et maintenant, nos sincères remerciements à tous nos commanditaires qui ont rendu possible la tenue de cette soirée. L'Association étudiante du Cégep de Sainte-Foy. Instrument de musique, excusez-moi, de musique Long & McQuaid. Le service de la vie étudiante sociaux du Cégep de Sainte-Foy. L'Association de parents des étudiants du Cégep de Sainte-Foy. COPSCO Sainte-Foy. Et Solothèque. Et maintenant, voici la définition des prix. Pour le prix du public, une bourse de 100 $. Pour le troisième prix, c'est une bourse aussi de 100 $. Pour le deuxième prix, une bourse de 200 $. Et enfin, pour le premier prix, une bourse de 350 $. Et la chance et l'honneur de représenter le Cégep de Sainte-Foy à la finale régionale de Cégep en spectacle, qui aura lieu cette année le samedi 24 mars 2018 au Cégep Lévis-Lauzon. Nous sommes alors rendus au moment d'inviter M. André Gagnon, technicien en loisirs à la vie étudiante sociaux et grand responsable de la soirée de ce soir, à bien vouloir monter sur scène pour présider au dévoilement des récipiendaires des prix de ce soir. Bonjour les filles. Bonjour tout le monde. J'aimerais dire bonsoir tout le monde. Vous avez apprécié le spectacle? Ah, c'est le fun ça. Alors, je voudrais commencer par remercier nos animatrices, Charlotte, Eliane et Alexandra. Félicitations les filles. Et aussi, en arrière, il y avait deux personnes super importantes, Éric Gagnon et Audrey Beaulieu-Tremblay. Ensuite, j'aimerais beaucoup remercier aussi l'équipe technique qui était présente, mais non-voyante. Ils sont dans l'ombre, on ne les voit pas souvent. Et je voudrais remercier aussi Éric Rousseau et Jérôme Potvin qui les ont encadrés durant tout l'événement. Je profite du fait aussi que vous êtes là assis et que vous m'écoutez pour faire quelques petites annonces. Là. Au Socio, on a d'autres événements, dont deux pièces de théâtre, une comédie musicale, au Théâtre du Petit Champlain, le 15 et 16 mars prochain. On vous invite à aller acheter des billets. Ainsi que Nous voir nous, une autre pièce de théâtre à la Margelle, les 21 et 22 mars prochain. Et pour ceux qui sont un petit peu plus amateurs de musique, on a Artistes émergents le 12 avril prochain au Théâtre du Petit Champlain. Alors les filles, je vous recède la parole. Oui. Oui. Levez du rideau, s'il vous plaît. Et maintenant, laissez-nous vous présenter à nouveau les artistes qui ont fait partie du spectacle de ce soir. Théo. Florence du Sablon. ADNA. Cherry Fay. Younes Dra. Balatabi et Félix Bertrand. La troupe de la Bastille. Camila Rodriguez. Bonbon à la cannelle d'Isabelle et d'Assave. Gabriel Brisson. Andréane Bouchard. Et la troupe de danse Impact. Attention.
Nous vous invitons, Mme Edith Coulombre, coordonnatrice à la vie étudiante du socio, à venir nous faire un petit mot. Bonsoir. Félicitations à toutes et tous. Se rendre ici sur la scène, c'est déjà en soi un succès. Alors, je vous rends hommage à votre audace, puis j'ose que vous allez continuer à vouloir atteindre vos rêves. C'est super important, parce que c'est très signifiant pour tout le monde. Je vous remercie d'être là. André a parlé tantôt, mais j'aimerais ça aussi qu'on ait une belle main d'applaudissements pour André qui conduit les rênes de cet événement-là depuis 12 ans. Bravo! Trop souvent dans l'ombre, mais aujourd'hui, dans la lumière. Merci, André. Alors, le premier prix, c'est pour le choix du public, avec les votes que vous avez faits par les moyens qu'on vous a offerts. Le prix est remis à la troupe Impact. Pour un montant de 100 $. Maintenant, on a trois places à nommer. La troisième place pour le prix du Cégep en spectacle 2018 est remise à Gabrielle Brisson, un montant de 100 $. Félicitations. Avec le fan club. En deuxième place, le prix pour un montant de 200 $ est remis à la troupe Impact. Bravo! Première place va être mise par M. André Gagnon, bien évidemment. C'est l'opportunité de représenter notre cégep à la finale régionale qui va se tenir le 24 mars au cégep de Lévis-Lauzon. Ce privilège-là, on le donne, les jurys le donnent et nous sommes tous contents aussi, bien entendu, de le donner à Camila Rodriguez. Tu sais quoi faire, tu voles sur tes pneus, les bras. Un mot de fin. Ouais. Bon, ben, il faut faire le mot de fin, oui. Nous autres. Fait que, ben, on espère que vous avez aimé le show. Ouais. Oui. Malgré les petites erreurs, c'était pas si pire, hein? Vous êtes d'accord? Je pense que tout le monde ici, on peut être fier de nous. On a donné le meilleur de nous autres. Ouais. Yes. J'espère qu'on va vous revoir l'année prochaine. Ouais. Ouais. Hein? J'espère que je vais revoir mon bois d'amour. Oui. Donc, merci beaucoup. Vous avez été un très bon public.
On a adoré faire notre expérience cette année ici. Mm-hmm. Nous, c'est notre première année au Cégep. C'est notre première expérience d'animation au Cégep. Puis, on est très contents d'avoir fait ça aujourd'hui. C'est quand même une grosse étape. Puis, bravo à tous les participants et à tous ceux qui nous ont aidés dans l'écriture et dans... juste dans les coulisses dans aussi. Les coulisses, nous encourager. C'était vraiment nice. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Bonne soirée, là! Par une grande bourrasque, la neige m'automne, ma barre de barbe